Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque j'ai reçu le coloring even du mois juste hier. J'ai été les chercher chez ma buraliste. Donc un gros merci Laura de m'avoir prévenu comme d'hab. Elle m'envoie un petit SMS. Ce mois-ci, j'en aurai plus de disponibles. J'en avais quatre. Les quatre sont partis, donc j'en ai pas de dispo. Pas à peine de m'envoyer le message, ils sont tous réservés. Donc voilà, je tenais à le dire quand même. C'est le centième coloring even dans celui-ci, dans les spéciales. Il y a 40 nouveautés et exclusivités de Kanoko et Gusa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que la couverture du livre, elle peut se mettre en couleur. Donc, vous pouvez la colorier. Au dos, il y a toujours une petite pub. Vous retrouvez le site, là, c'est marqué en gros, coloringeven.com, si vous souhaitez le commander. Il livre dans plusieurs pays, pour information. Donc, il y a un peu les délais aussi, selon les pays. Je sais qu'en France, il faut compter à peu près 15 jours après la sortie au Royaume-Uni, avant de les avoir en France, quoi. Donc, voilà, je vous les présente, je vous montre tout ça. Alors, moi, ça tombe bien parce que je n'ai pas de livre de Kanoko et Gusa, donc au moins ce coup-ci, j'en ai. Je vais essayer de vous mettre ça bien. Ici, vous allez retrouver toujours un petit mot de la directrice, de la rédactrice plutôt. On donne toujours les références des auteurs qu'il y a dedans. Donc là, on va nous parler de Kanoko et Gusa. Vous allez retrouver tous les liens Internet, Facebook, Instagram, Pinterest de Coloring Even, le lien de la boutique. Donc c'est shop.coloringeven.com. Toujours une petite promo hein, qui change régulièrement. Et on va découvrir tout ça. Donc toujours à droite, vous avez le colo. Vous allez voir, voilà. Et à gauche, en fait, vous avez le numéro de l'illustration. Donc c'est parti pour la découverte. Déjà, elles sont magnifiques, les illustrations de Kanoko et Gusa. Donc, on n'a pas plus d'informations sur le nom ou pas. Alors, ceux qui ont des livres, peut-être vont reconnaître certaines illustrations, hein. Elles sont magnifiques. Il y a de l'effet poil, hein, à faire dans ce type de livre. Elles sont magnifiques. Beaucoup d'animaux, hein, souvent chez Kanoko et Gusa. Pas mal de détails aussi. Donc là, on est plus sur un fond noir. Il sort un peu gris, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je vais essayer de vous l'approcher de plus près que vous voyez. Énormément de détails. Il est magnifique, ces illustrations. Donc là, on en a une en format paysage. On a toujours 40 illustrations dans les Coloring Even spéciales. Non, j'adore la tête.
C'est vraiment le monde des animaux. On retrouve des lapins, des chats, des oiseaux, des... Oh, magnifique. Alors, petite information. J'en ai acheté 4, donc j'ai pu vérifier. À partir de la page 20 et 30, vous allez retrouver des petites taches d'encre. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont trouvé ailleurs, si vous avez eu le même souci. Moi, j'ai contacté Coloring Even pour leur informer. Heureusement, par chance, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas trop touché les colos. Sauf un ou deux où c'est jouable à camoufler, hein, vous voyez. Mais les quatre sont comme ça. J'en ai reçu quatre. Les quatre sont comme ça. Que de la page 20 à 30. Donc, je pense qu'il y a eu des soucis d'impression. D'ailleurs, on se rend compte que la page que je vous ai montrée tout à l'heure est plutôt grise au lieu d'être noire. Ça reste assez discret et ça ne gâche aucun colo, heureusement. Faut savoir qu'ils ont changé le papier. Pour ceux qui ont l'habitude de les avoir, le papier, on s'est vite rendu compte qu'il avait changé. Il est beaucoup plus fin qu'avant aussi. Vous voyez, alors la page 25, on voit bien. Heureusement, ça touche à chaque fois les pages numérotées, non pas le colo, heureusement. Ils sont vraiment magnifiques, hein, c'est vraiment. Faut aimer le détail, voilà. J'adore. Je crois que le plus dur, c'est de se décider par quel colo commencer. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Sont vraiment magnifiques. Une deuxième en format paysage. Je vais la retourner comme ceci. Beaucoup de détails aussi, hein. De toute façon, il y a énormément de détails chez cet artiste. Ce qui est bien, c'est que ça nous représente plusieurs saisons aussi. Et la petite dernière, voilà, qui représente un peu Noël. Et à la fin, comme toujours, vous retrouvez de quoi mettre vos combos et les personnes qui ont réalisé ce livre. Donc voilà. Il y a toujours aussi une petite pub à la fin pour vous montrer les différents coloring events qui existent. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon colo. Bye bye tout le monde.